L'origine et les rôles des lymphocytes. Que devrez-vous faire à partir de cette vidéo? Vous devrez prendre des notes sur l'origine des lymphocytes et vous devrez également reproduire le schéma de synthèse sur les différents lymphocytes et leurs rôles. Commençons par l'origine des lymphocytes. L'origine des lymphocytes se situe dans les organes lymphoïdes. Les organes et les tissus lymphoïdes correspondent au lieu de résidence des lymphocytes et à celui d'autres cellules du système immunitaire. On peut distinguer deux groupes. Tout d'abord, les organes lymphoïdes primaires. Ces organes lymphoïdes primaires ont la capacité de produire ou de provoquer la prolifération et la maturation des lymphocytes. Ils correspondent à la moelle osseuse et au thymus. Donc, la moelle rouge des os et le thymus, qui est un organe qui se trouve ici. Les organes lymphoïdes secondaires sont des lieux de concentration des lymphocytes, au niveau desquels s'effectue l'activation des lymphocytes et la différenciation en cellules effectrices et en cellules mémoire. Parmi eux, on compte la rate, qui se trouve ici, les ganglions lymphatiques, qu'on trouve notamment au niveau des aisselles, au niveau abdominal, au niveau de l'aine, mais également ici, au niveau du cou, en même temps que les amygdales. Sur la représentation suivante, on peut voir que les ganglions lymphatiques sont reliés entre eux par les vaisseaux lymphatiques. Ces vaisseaux lymphatiques sont eux-mêmes en relation anatomique avec les vaisseaux sanguins. Voyons maintenant les deux types de lymphocytes, cellules de la réponse immunitaire adaptative. Les lymphocytes qui correspondent à la réponse immunitaire adaptative font partie des leucocytes ou globules blancs. On distingue principalement deux types. Tout d'abord, les lymphocytes B, qu'on note LB. Chez l'homme, les lymphocytes B arrivent à maturité dans la moelle osseuse. En anglais bone marrow, voilà pourquoi on les appelle également lymphocytes B. D'autre part, les lymphocytes T. Les lymphocytes T arrivent à maturité dans le thymus, ce qui explique leur dénomination LT. Il y a deux types de lymphocytes T, les LTCD4 et les LTCD8. Voyons maintenant le rôle de ces différents lymphocytes, ces trois types de lymphocytes. Donc LB, LTCD4, LTCD8. Commençons par les lymphocytes CD4, car ces cellules sont au centre de toutes les réactions adaptatives. Quand un antigène est porté par une cellule non saine, une cellule infectée, cet antigène va se fixer sur le récepteur T d'un LT4. Alors, ce LTCD4 est sélectionné. Il subit des mitoses. Une partie du clone qui en résulte va se différencier en LTA pour auxiliaire. Les LTA ont la particularité de produire, de sécréter une molécule qui est l'interleukine 2. Grâce aux interleukines 2, les LTA vont pouvoir stimuler la mitose et la différenciation des LB qui ont été sélectionnés par un antigène circulant. Les LB vont se différencier en plasmocytes, qui sont des cellules capables de produire des anticorps spécifiques. Ces anticorps vont se lier spécifiquement aux antigènes pour former des complexes immuns. Le complexe immun va permettre de neutraliser les antigènes avant qu'ils ne soient détruits par phagocytose par d'autres cellules immunitaires. On le voit ainsi, les LTCD4 sont indispensables à l'évolution des LB sélectionnés. Mais les LTCD4 sont également indispensables pour l'autre catégorie de lymphocytes T, les LTCD8. En effet, les interleukines 2 produites par les LTA vont également permettre la différenciation des LTCD8 sélectionnés par une cellule infectée. Les LTCD8 vont se différencier en LTC. C pour cytotoxique, c'est-à-dire toxique pour des cellules anormales.
Dès que la reconnaissance d'une cellule anormale a eu lieu, le LTC libère des protéines qui sont appelées perforines et qui vont former des pores dans la membrane de la cellule non saine. Il y aura alors entrée d'eau dans le cytoplasme de la cellule infectée et lyse de cette cellule non saine. C'est ce qu'on appelle aussi le baiser de la mort. En conclusion, et pour résumer, on peut dire que la réponse immunitaire adaptative est fondée sur une coopération entre plusieurs populations cellulaires de lymphocytes. C'est ce que nous venons de voir. Et que ces lymphocytes trouvent leur origine dans les organes et tissus lymphoïdes. Voici pour la vidéo Origine et rôle des lymphocytes.